Salut à tous et à tous, ici Super Canon, c'est Canon, c'est appelé ça, et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Fire Emblem Heroes, ou la onzième. Aucune idée du chiffre. Bon, je crois que c'est la dixième. Moment sperme, ben voilà, on arrive au chiffre. Non, on se souvient plus, voilà. Donc, alors comme vous pouvez le constater en haut, bon, vous pouviez le constater, on va regarder un truc. Bon, voilà, les quêtes liées aux armes, je les ai déjà faites. Alors ça, c'est jusqu'au 23 février, nous sommes le 22, donc actuellement, pour cette vidéo, nous sommes le 22, du coup, ça s'arrête au 22. Alors j'ai dit une grosse connerie, en fait, je reviens. Alors Sacred Stone, c'est le dernier sur GBA, après Sacred Stone, il me semble que c'était Pest of Radiant. Et Holy Wars, Geon Holy Wars, Holy Wars, c'est le quatrième Fire Emblem. J'avais dit que c'était le septième ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est le quatrième, donc il est plus tout jeune, hein, ce jeu-là. Maîtrise de l'âge. J'ai réussi. J'habite aussi de l'acte 5, c'est ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous pouvez le constater, j'allais dire. Regardez, j'ai 47 orbes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 47 orbes? Ah, ben, on va faire une double invocation totale, on va dire. 5 orbes à invoquer. Alors, mes taux d'apparition, voilà. Ils n'ont pas changé. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir. En focus, on peut avoir Elika, Célif, Efren et Julia. Donc, deux épistes, un lancier et un magicien vert. En 5 étoiles, on peut avoir Ogma. Alors, Ogma, ça me dirait. Je crois que c'est dans Blinding. Kain, Corinne, Chrome, Shida, Mars, Ryoma, Lynn, Lucina, Roy, Kiki, Tarja, Lilina, Léo, Azura, Abel, Effie, Katria, Cordelia, Inoka, Perry, Noi, Linde, Camilla, Sheena, Hector, Hawkeye, Minerva, Raven, Fae, Melik, Yorgue, Takumi, Kagero, Jacob, Elise, Sakura, Maria. Voilà ce qu'on peut avoir en 5 étoiles. Bah, j'aimerais bien bah, avoir un 5 étoiles justement, parce que j'en ai qu'un. Parmi les 3% d'invocation que j'ai eu, j'ai qu'eu Mars. Oui, on dit Mars ou Marf. Bon, ouais. Alors, premier temps, c'est vrai qu'en Occident, au début, on disait Mars et après, c'est devenu Marf. Là-bas, c'est Marf. Bon, ben, j'ai peur en fait de tomber sur de la merde. J'ai 47 or, mais je peux tomber sur de la merde. On va invoquer 11 héros. Donc, on passerait à 42. Pas trop grave, hein, j'en ai pas mal. Donc, voyons voir ce que je peux invoquer. Alors, je peux invoquer un épéiste, un lancier, un tome bleu. Je peux invoquer un archer ou un healer. Alors, deux lanciers ou deux archers ou un épéiste. Bon, de toute façon, on va tout invoquer. Donc, go! On va commencer par l'épéiste, parce que voilà, ou le mage. Et le premier héros de cette vidéo n'est d'autre que. Shida. Ah, 4 étoiles d'argent, très bien. Je suis la princesse de Thalie, je n'ai pas d'apparence, mais je suis également un chevalier Pégase. Quoi? Ok, c'est Shida avec une déraja, avec un cuirasside, très bien. On va continuer. Allez, le lancier. Ou un mage, hein, c'est vrai que ça peut être aussi un mage. Un mage bleu. Et le deuxième héros de cette vidéo n'est d'autre que Odin. 3 étoiles, Odin. Odin même. Je suis Odin. 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 Bon, moi je dis Odin parce que voilà, le Nord, c'est censé être représenté l'Europe. Donc Odin, le son, mage de Nord, explorateur dans l'infini, énigme nébuleuse. Je l'avais pas, Odin. Pour le moment, je sais que des nouveaux. Continuons. Avec le archer, potentiellement archer ou lanceur de dagues. J'aimerais bien avoir Takumi. Parce que c'est le meilleur des archers. Et ce sera Miles. Bon, je ne l'avais pas non plus. Je suis Miles du royaume de Nord. Je ne vaux pas grand-chose, mais mes flèches sont à votre service. Même lui, il dit ça, quoi. Bon, bah. Miles, bon, Miles. C'est pas génial, on va pas se le cacher. Le lancier. J'aimerais bien vraiment avoir un niveau 5 parce que bon. Un peu la loose pour le moment. Alors, niveau 5, niveau 4, j'ai. Ah, j'ai Sully. Bon, là pour le moment, que des persos. Bon, un perso de. Alors, je crois que c'est Mystère Vendu Emblème. Deux persos de Fates et un perso de. Awakening, je m'appelle Sully, je vous promets de faire de mon mieux, croyez-moi, ça suffit. On va continuer. J'ai peut-être dit une connerie, non, c'est 21 si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il manquera une orbe pour faire 11-0. 11-0, oui, bien sûr. 11-0, et le dernier, Miles. Waouh, j'adore avoir des persos en double.
C'est. Pourquoi quand je fais des invocations comme ça, j'ai toujours un héros en double. C'est bizarre. Bon. Ouais, non, je peux faire que 10 invocations. Donc là, j'ai pu avoir un chier de ces pays. Donc de toute façon, on va tout invoquer. Cette vidéo va être extrêmement courte, évidemment, parce que voilà. J'ai pas beaucoup d'énergie. Et on va tomber sur Styles niveau 3 que j'ai déjà. Je crois qu'il était niveau 2. Le système d'éveilleur, en tout cas, ça m'a rendu si nerveux que j'en ai l'estomac tout noué. Waouh, c'était le. Non, j'en ai encore un des pistes. Celui à la hache. La pierre verte, sur qui je vais tomber. Chier, putain, mais si l'IA, je l'ai déjà. Pff, oh là là. Oh, c'est ridicule la chance que j'ai. Donc deux doubles, c'est bien, c'est super. On applaudit. Allez, s'il vous plaît, au moins un 5 étoiles, ou un 4 étoiles au moins, parce que bon là, vraiment, je suis un peu pitché. Oboro, 3 étoiles. Waouh, putain, mais la chance que j'ai, c'est un fou furieux. Mon Oboro, je l'avais pas. Je manie la lance et l'aiguille de coudre avec la même dextérité. Putain, mais trop. La non-chance du type, c'est ridicule. Donc il manquera une norme pour faire une autre invocation. Bon, je crois qu'il me reste assez d'énergie pour faire un niveau. Bon, allez, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu ridicule, pour le moment. Ah, Mars, que j'ai en double. Incroyable! Et si c'est un 5 étoiles, je pleure. Mars, 4 étoiles. Je l'ai déjà! Putain, oh, la loose! Les mecs, c'est la loose à l'état pur. Il me reste une invocation. Ah bah non, 3 étoiles. Pourquoi seulement 3? Bizarre. Pourquoi là, c'est passé à 3? Je sais pas. Pff, la loose, les gars. Putain, c'est loosant. La loose à l'état pur. Et pour finir, Azama. Bon, il me reste une invocation. C'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. Je peux encore faire une invocation. Bon, on va pas se. Ah, j'aurais dû regarder mes taux d'apparition. Bon. Ah, un lancier, un archer. Bon. On va prendre un lancier. Parce que. Alors, lequel va me plus porter chance, sachant que j'ai une chance de fou furieux. Bon, on va prendre celui-là. Alors, le dernier héros de cette vidéo ne sera donc. Ne sera, sera donc. Tsubaki, déjà eu, c'est sympa. Putain, mais. Pff, la loose! La loose, les gars! Et ouais. On va éviter d'acheter des orbes. Putain, mais la loose, les gars! Putain! Mes taux d'apparition sont passés à combien du coup? Ah ouais, 3,75, hein, les mecs. Bon, bah voilà. C'était de la merde! De la bonne grosse merde! Bon, on va fusionner des héros. Parce que j'en ai eu plein de doux, putain. Le seul. Même pas le seul potable. Non, mais j'en ai même pas. J'en ai deux. Allez, j'ai Shida qui est potable et Sully. Mars, bon, je l'ai déjà, donc bof. Donc Tsubaki d'honneur. Non, c'est le contraire. D'honneur. Et j'ai un Tsubaki de merde. Il est où? Le d'honneur, le receveur. Ça ne sert strictement à rien, mais voilà. Tsubaki, ensuite, j'ai eu Sissi. Non, donneuse. Non, attends, c'est vrai que j'ai une Sicilia dégueulasse. Elle est où, la Sicilia complètement dégueulasse que je possède? Elle est où? Sicilia, ouais, bon, elle est là. Attends, elle est niveau combien? C'est quoi? Ah ouais, non, c'est le contraire, en gros. La donneuse, et le receveur. Voilà. Plus 40, boum. Transmettre 40 PA, parce que bon, ça me sait. Putain, je déteste avoir des doubles. Ensuite, j'ai un Tal qui peut. Non, c'est le contraire. Il est là, le Tal pourri. Donneur, receveur, voilà. Ça pue la merde, hein, vraiment. Je suis déçu. Je me doutais un peu, hein, vu la chance que j'ai. Bon, j'ai un deuxième. J'ai trois mares, putain, mais c'est pitoyable.
Ça me dégoûte ça. J'ai deux marches, putain, mais n'importe quoi. Ah, je peux même pas aller. Je peux même pas aller. Ok, d'accord. Pourtant, ils sont tous les deux de niveau 4. Ça m'énerve, ça, incroyable. Des doubles, et ouais, les doubles, les doubles, les doubles. Je peux pas les fusionner. Putain, Mars, c'est quoi ce perso de merde de mort qui peut pas se faire fusionner? Ok, Mars, un perso de mort, ok. Bon, bah, on va en libérer un. Hein. Sauf si on peut pas. Sauf s'il y a un truc d'échange. Bon, là, s'il y avait un truc d'échange, je le ferais tout de suite. Hein. Mars. S'il y a un jour un truc de. On pourra changer ses héros, je le fais direct. Parce que Mars, perso de mort. Hein. Voilà, sinon, mon équipe actuelle, voilà. Putain, ça me fait chier d'avoir des Marf en double. Putain, c'est le troisième que j'ai, casse les couilles. Jeu de merde. Bon, sinon, voyons voir les aptitudes qu'ils peuvent avoir. Alors, Shida, elle a un cuirassé déjà. Donc, je suppose que son truc en plus est un cuirassé de plus. Coup foudroyant, ça, c'est pas trop mauvais. Résistance, ouais. Envol. En début de tour, confère pucer son unité volante adjacente. Hop. Si tu joues avec des unités volantes comme je le fais, ça peut être pas mal. Odin. Il a lame saphir, il peut avoir ça. Nouvelle lune, ignore 30% de défense de la cible. Ok, 3, ouais. Plus 7, ouais, ça peut être pas mauvais. Ça, c'est contre les mages. Ouais, bon. Pas fameux. Miles, bon. Ah oui, j'ai deux Miles, c'est vrai. Arme létale, ouais. Peut avoir Blizzard, coup gardien, qu'on fait lorsqu'elle initie le combat. Ouais, bon, Miles est surtout utile. Ouais, ok, c'est un bon. Il peut te mettre de la résistance un peu, mais bon. Il se résiste et lui et il résiste les autres. Alors, voyons voir celui. Repli, recule d'une case et tire la cible avec elle. Ouais, c'est une stratégie bizarre. Ouais, c'est pour hein, la défense, ok. Oboro. Oboro, je crois qu'elle était pas mauvaise, mais il y avait mieux. Qu'on fait à plus 4 à un défense. Ouais, ça c'est pas mal. Moins 3 à l'ennemi. Ouais. En début de tour, inflige. Ouais. Bon. Pour niquer les défenses, c'est pas mauvais. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de fusionner les deux mâles que j'ai eu. Ça me dégoûte. Mais on avait déjà eu ça en plus. On avait eu deux fois Laszlo. De toute façon, ils sont tous les deux du même niveau. Sont tous les deux du même niveau, ils étaient tous les deux de niveau 3. Bon, voilà 43 héros. Putain, mais parmi les 43 héros que j'ai invoqués, j'en ai eu qu'un en or. Jeu de chiasse, ouais, j'ai pas invoqué 43 héros, j'aurais dû en invoquer quarantaine au moins. Bon, on va pas se quitter en faisant pas un truc de scénario histoire de gagner une orbe, sachant que je suis arrivé au monde de Blazing. J'en ai déjà fait quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Ah, ça me dégoûte, je suis dégoûté. Bon, après tout, je m'en doutais, hein, je suis pas énormément chanceux, donc à un moment, ça se voit, hein, ça se sent. Ah, alors, quand on fait l'arène totalement Azob, sachant que je n'ai aucun magicien, donc cette arène pue la mort. Ouais, ça, c'est mes unités. C'est les seules que j'utilise en priorité. On l'a déjà vu, on l'a déjà fait, hein, ces niveaux-là. Problème de ce niveau, c'est que c'est chiant, il faut casser les murs, il faut. Alors la lance est faible contre l'archer. La lance est faible contre le. Ouais, il y a un mage bleu en plus. Bon, le vert est fort contre le bleu. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein. C'est vrai que je laissais jamais les animations avant. Aura draconique, je vois un peu. J'avoue que Kaminia, c'était quand même une bonne chance hein, d'être tombé sur elle. Alors, c'est un mage vert. On va éviter de s'approcher. Le mage bleu, il fait aucun dégât. On va le laisser s'approcher. De toute façon, c'est un lourd. Les lourds, ils prennent du temps pour bouger.
Ah non, mais pas lui en fait. Ah. On y va avant de se prendre une châtaigne. Olivia, elle est bien parce qu'elle confère un petit bonus d'attaque. Je m'ai pas regardé, hein, je vous avoue. Bon, Marv va s'occuper de Nino. De toute façon, c'est pas comme s'il faisait du dégât. Et c'est pas comme si une mage bleue allait m'enlever de la vie à un moment. Bon, la stratégie est imparable. C'est un mage bleu. Bon, le mage bleu, il fait quand même assez mal. 42 dégâts. Je pourrais faire une équipe que de Mars. Ouais, bah écoute. Je pourrais faire qu'une équipe de Mars parce que j'ai que des Mars. C'est dégueulasse. Je tombe jamais sur les d'autres persos, quoi. Toujours les mêmes. C'est triste. Je referai un des invocations comme ça. Je leur ferai d'autres. J'aurai 40 gemmes, 40 orbes aussi. J'en ferai. Donc ça prendra un peu de temps, oui. Parce que bon, tu reçois 2 orbes la semaine, 3 orbes selon les. En le week-end, enfin ça dépend, des fois t'en as pas. Ça dépend de leurs humeurs. Donc, comptez, dans 20 jours, vous aurez une nouvelle vidéo Fire Emblem avec des nouvelles invocations. J'espère que ce soit mieux. Ou alors, il y aura une mise à jour, mes taux de pourcentage seront retombés à des pourcentages totalement bas. Du coup, bah, j'aurai que de la merde. Du coup, bah voilà, on va retomber sur de la merde. En fait, le problème de ce jeu, c'est les 5 étoiles, c'est beaucoup trop dur d'en avoir. Et puis, pexer pour faire monter un perso en 5 étoiles, c'est beaucoup trop. Il faut beaucoup trop de choses. Par exemple, voilà, pour Cordelia, qui est une unité rouge, bleue, il lui faut 20 000 plumes. Pour avoir des plumes, il faut faire l'arène. Et le maximum que tu puisses avoir en faisant l'arène, c'est 1600, je crois. Donc fais le calcul. Si tu veux monter une unité qui est argent en 5 étoiles, il te faut 20 000. 20 000 trucs, et le seul moyen d'en avoir, c'est dans l'arène. Donc, il tourne à peu près 20 saisons d'arène pour pouvoir au moins monter un perso. Et après, il faut après avoir des insignes. Et les insignes, il faut les avoir, on peut les avoir dans l'entraînement. Donc, ce jeu, en fait, pour avoir des unités complètement craquées, faut soit avoir une énorme chatte, ou alors vraiment pexer comme un porc, quoi. Allez, on va faire l'arène. Bon déjà j'ai plus le bonus parce qu'avant c'était les persos God tier. Regardez, récompense pour avoir le maximum c'est 1600, j'avais pas tort. Et après bilan défensif, bon il n'y a personne qui m'a attaqué, attaquez-moi, regardez, ça dure 5 jours. Ça dure à peu près une semaine. Une semaine pour avoir 1600 contre 1600, 1600, 1600. Il faut 10 semaines pour avoir 16 000 plumes, quoi. Normalement c'est trop demandé. On va faire quand même. Cette vidéo est un peu trop courte selon moi, donc on va quand même faire un combat. Alors il y a Takumi, donc on va éviter. Puis c'est rang 3. Alors, on va utiliser mes 3 trucs. Alors le mec a Mars, il a Azama et il a un Yorgue. Alors lui c'est le sien. C'est un peu perturbant étant donné qu'il a lui aussi un comment dire, un épéiste. Oula. Mais il utilise le bonus forcément pour. Alors Mars contre Mars hein, évidemment. Je peux espérer le tuer mais après. Ah, je le tue Yorgue. Et puis c'est pas Azama qui va faire du dégât. Par contre, 4A elle va me buter. Hein. C'est pas grave si Camélia reste en vie. Ouais, elle avait son critique, c'est pour ça. Ah, mais c'est bon, je peux la tuer. Ok. Bon, c'est bon. En même temps, j'ai pris un. Alors, le niveau ne peut pas vous dire grand chose. Hein. Bon, là, par exemple, c'est parce qu'il avait sans doute Azama. C'est sans doute parce qu'il y a des persos moins God tier. Alors, je sais pas lire le japonais, donc du coup, je sais pas ce que veut dire ton nom. Désolé.
Donc voilà. Là, par exemple, il faut Odin. J'ai Odin, par exemple. Je pourrais entraîner un Odin et puis l'emmener à l'arène. Je pourrais très bien faire ça. Alors, Mars ou Camélia? Camélia, sachant qu'elle est apparemment Gotia. Il y a une tier list hein, dans le jeu. Hein. Il y a une tier list. Je sais qu'Azura est Gotia en lancier. Parce qu'elle peut attaquer. Elle a une bonne, un bon DPS. Bon, DPS, c'est vite dit. Hein, c'est dégâts par seconde. C'est pas vraiment ça. Alors, j'ai même pas regardé. Alors, il y a Hector, il y a Cordelia, il y a Florina et il y a Mars. Dommage que j'ai pas un putain d'archer. Ah, par contre, alors. Deux lanciers. Deux lanciers, un épéiste et un. Je pourrais très bien rester comme ça. On va laisser Cornelia là. Elle lui fait zéro de dégâts. Oui, alors ce sont. On va laisser Mars attaquer son Mars. Apparemment, Mars est facile à avoir parce que là. Bon. Ouais, la puce, elle a son spécial, son aura draconique. Donc 15 de dégâts. Derrière, il y a un autre. Voilà, se prend coup sauvage. Qui lui inflige 7 de dégâts. Et voilà, ça fait le taffé. Plus c'est aussi Hector, qui est tellement lent qu'il se bouge à une seule unité, donc du coup voilà. Et Hector contre un de mes pays ne fait pas le café. Et meurt comme un pénis contre Mars, voilà. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'en arène, tu peux gagner aussi des niveaux. Bon, moi j'ai des persos craqués. Voilà. Alors aussi, hein, tu peux avoir des plumes en faisant leur quête. Mais 1000 plumes, attends. Il faudrait faire 20 000 quêtes pour réussir un niveau, quoi. Parce qu'à un moment, on sauterait pas de notre gueule. Moi, j'ai envie de te dire un petit peu. Bon, le jeu, l'ami. Beaucoup de japonais hein, dans ce jeu, hein, faut pas croire. Bon, comme j'ai pas mon bonus, le bonus de série, bah, je tiens que rien. Voilà. Avant, c'était Mars et Cornelia, et Camélia, du coup, j'avais les bonus. Mais là, étant donné que j'ai, à part Owen. Oh merde, je viens de spoil. À part Odin. Je viens de spoil. Non, vous avez rien entendu. On va faire le dernier combat d'arène. 22 et 25 minutes, ce sera bien. Alors, un Virion. Bon, Virion, il est pourri. On va pas se le cacher. Ou Roy. Bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ma série, de toute façon, est très faible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lisa, il y a Frédéric, il y a Inoka et il y a Roy. Alors, bah, l'équipe est très équilibrée. On va pas se le cacher. Donc si je place mes unités proprement, il y a moyen de faire du dégât. Alors qui peut. Cornelia, Inoka peut se déplacer jusque là. On va mettre Camélia là, étant donné que c'est un archer. Alors c'est un. Ah, Frédéric utilise un marteau. Ça dépend qui fait déplacer en problème. Voilà, je vais faire ça. J'espère que ce soit Roy qui bouge. C'est pas Roy qui a bougé. Vous voyez. Est-ce que Mars peut s'approcher? Parce que je crois que là j'ai fait une petite erreur. Ah bon, Camélia, vas-y, occupe-toi de lui. Plus 7 de dégâts aux deux autres. Bon, je pense que ouais, voilà, c'est Roy forcément qui va s'approcher. Bon, de toute façon, c'est Camilla qui devait tuer Inoka. Ça va être un petit problème du coup. Bon, on va tuer Lisa. Il restera que Inoka. Inoka qui aura pas l'avantage contre. Si, qui aura l'avantage contre. Qui aura l'avantage contre. Machin. Par contre, oh bah. En fait, ma stratégie est imparable, sauf contre un archer. S'il y a un Takumi dans l'équipe, je pense que j'ai aucune chance. Et voilà. Alors, sachant que j'ai énormément d'insignes de duel,
que j'en ai utilisé très peu. Voilà, ils ont plein de 5 étoiles. Moi, les 5 étoiles, j'en ai aucun. J'en ai pas marre, putain, mais ça me dégoûte de pas avoir eu de chance à ce point. Regardez, j'en ai 21, je peux encore en avoir sur My Nintendo, rappelons-le. Ça me dégoûte. On va pas se cacher, ça me dégoûte de pas avoir de chance hein, sur ce jeu. Je pourrais avoir beaucoup plus d'unités. Regardez, j'ai fait que 3 combats, j'ai 300 plumes. Et le problème, c'est qu'il faudrait que je tombe sur ces persos-là. Et puis, le problème, c'est que ces persos-là, c'est des persos 5 étoiles. Il n'y a pas les persos. Y a pas, y, tu peux pas les avoir en mode 4 étoiles ou 3 étoiles. C'est clair que si j'avais eu des persos 3 étoiles ou 4 étoiles sur ceux-là, ben, je les aurais pexés. Mais le problème, c'est que j'ai aucun putain de 5 étoiles. La chance me pisse dessus à un niveau pas élevé, là. Bon, bref, on va pas continuer, j'ai plus rien d'autre à faire. De toute façon, regardez l'énergie qui doit remonter. Bon, j'essaie des élixirs de machin pour augmenter mes points d'énergie, mais bon, ça servira à rien. Donc, les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Fire Emblem Heroes. J'espère qu'elle vous aura plu, même si la chance m'aura encore pissé dessus pour la énième fois. Et on va se retrouver bah, dans très longtemps, je pense. Hein, pour ouais, bah ouais, très longtemps pour le coup. Tant que j'aurai allez, 42 orbes, quand j'aurai 42 orbes, on se retrouvera pour une nouvelle invocation de Fire Emblem Heroes. Voilà, c'était Super Canin, à vous les studios!